Alors, nous dispensons des formations niveau CAP, bac pro, BTS, licence, plutôt dans les domaines techniques, comme la structure métallique, ce qu'on appelait avant les chaudronniers, l'électrotechnique, l'électronique, la maintenance sur système automatisé, les métiers de la production et également les métiers de la maintenance sur système automatisé. On a des entreprises qui recherchent des jeunes et on n'a pas de jeunes à mettre en face de ces offres de contrat. Et voilà, donc on a des métiers très porteurs, comme dans la production, comme dans la structure métallique, dans la mécanique de précision, où on a un réel besoin de jeunes et malheureusement, on ne trouve pas preneur. L'intérêt principal, c'est d'être aux côtés des communes et de participer à l'engagement que la commune de Limay en particulier a fait vis-à-vis des entreprises dans le cadre de l'insertion et de l'emploi. Et dans un deuxième cas, nous, grandes entreprises, nous avons, comme toute entreprise, un besoin de renouveler un peu les agents et d'offrir des emplois, voire des possibilités d'alternance. Et c'est pour ça que nous sommes là, pour rencontrer les jeunes, les jeunes motivés, pour essayer de répondre au mieux à leurs questions. Aucune idée. Ils viennent là comme ils vont dans d'autres lieux du même genre, sans savoir vraiment ce qu'ils cherchent, ce qu'ils ont envie de faire, parce que bien souvent ils sont déscolarisés depuis trop longtemps et ils n'ont aucune idée de ce qu'ils pourraient faire, d'une formation. Souvent ils veulent travailler tout de suite, un emploi tout de suite, mais ils n'ont aucune formation. Donc voilà, ici on peut espérer qu'ils puissent trouver une idée lumineuse de formation à faire qui pourrait les mener à un emploi. Mais c'est le moyen de pouvoir prendre contact et de pouvoir rentrer, entrebâiller la porte, de façon à ce que vous puissiez passer le pied et après pouvoir discuter et j'espère, pour certains au moins, réussir. Et que vous ne mettiez pas sur vos appels à candidature, cherche quelqu'un, 3 ans d'expérience. Je suis jeune, j'ai jamais eu d'expérience. Donnez-moi ma chance. Et je leur souhaite qu'il l'ait. Voilà. Alors l'intérêt pour Pôle emploi de venir à ce forum, c'est déjà pouvoir présenter, donner et répondre aussi à des questions. J'ai beaucoup de gens, je n'arrête pas depuis ce matin. Donc c'est des questions, ça va de je cherche un emploi, je cherche une formation, j'ai pas vu mon conseiller depuis longtemps. Donc en fait là c'est de répondre donc bien par rapport de poser des questions aux personnes sur ce qu'ils recherchent, ce qu'ils veulent, les renseigner sur les formations, ce qui est bien déjà les premiers conseils. Là mon objectif c'est aussi de les remettre en contact avec leurs conseillers. Ils ont cette chance de pouvoir être accompagnés par tous les partenaires qui sont ici, bon, par Pôle emploi, par la mission locale et toutes les personnes présentes. Et justement, il faut qu'ils comprennent aussi que c'est cette chance de pouvoir être encadrés. Et puis moi, j'ai foi en tous ces jeunes parce que justement, ils sont très motivés. Et que quand on est motivé, eh ben, effectivement, il y a à franchir beaucoup, beaucoup de montagnes, mais on y arrive. Nous sommes ici présents à l'armée de l'air, c'est parce que nous recrutons environ 1800 jeunes par an, de niveau 3e jusqu'à bac plus 5 et de 17 à 30 ans.
Ce forum, l'IME au carrefour de l'emploi et de la formation, il a vocation à mettre en avant, à mettre en perspective ce travail qu'on mène depuis un an autour de l'insertion, de la formation, du rapprochement des demandeurs d'emploi vers l'emploi. Donc aujourd'hui, ici, on a cette capacité à mobiliser avec des acteurs comme ORDF où on monte des modules d'immersion, avec la mission locale où on travaille sur de l'offre transport en commun, avec la Chambre de commerce et d'industrie et son CIOP où on est sur la promotion des contrats d'apprentissage et de qualification, enfin, avec divers partenaires où on va continuer comme ça à mobiliser les énergies, à créer des synergies, à essayer de créer des synergies et je dirais à faire des actions innovantes qui profitent à l'emploi local et durable. Néanmoins, avec l'activité portuaire qui draine de plus en plus d'activités, que ce soit sur la logistique, logistique transport, éco-industrie, je crois qu'on a un moteur pour le bassin mantois. On le voit avec le projet d'extension du port qui est en train de se confirmer, avec l'activité tertiaire et de service des hauts reposoirs qui va se renforcer avec son extension, avec des projets tels que l'extension du centre commercial Carrefour. Bon, on voit qu'il y a un certain nombre de projets qui sont positifs pour l'avenir. Maintenant, il faut que ça profite à tous, aux Liméens, aux habitants du bassin. Et là-dessus, on sait qu'on a un travail à faire au niveau de la formation et de l'accompagnement vers l'emploi. Donc je dirais que je suis assez optimiste. Maintenant, confirmons la dynamique, confirmons le travail qui est mené.